Isabelle la catholique ne partit pas en mission directement, mais elle ouvrit un continent entier aux missions. La seule préoccupation est que ces populations avec lesquelles une relation est initiée parviennent au salut. C'est une femme unique dans l'histoire de l'Église en Espagne. C'est qu'il s'agissait d'une femme capable de sentir l'amour et de le diffuser, de le transmettre aux autres. C'est un modèle de femme, de laïque, de mère de famille, d'épouse, de gouvernante, de reine. Et tous ces aspects sont tellement essentiels. Et tous ces aspects sont tellement fondamentaux. Isabelle la catholique. Isabelle la catholique naît le jeudi saint 1451 à Madrigal de las Altas Torres, en plein cœur de Castille, et meurt en 1504, aussi en plein cœur de Castille, à Medina del Campo. 53 ans de vie qui coïncident avec la deuxième moitié du 15e siècle. La première chose à ne pas oublier et dont il faut tenir compte, et que nous ne pouvons pas juger avec le regard du présent, avec les paradigmes culturels et sociaux de notre époque. Une femme qui vit à la fin du Moyen Âge et qui se trouve sur le seuil de la période moderne. Va a vivir una infancia dura. Elle va vivre une enfance dure. Son père, le roi Jean II de Castille, avait épousé Isabelle du Portugal en seconde noces, et c'est son frère aîné qui deviendra roi, le roi Henri IV. À l'âge de 3 ou 4 ans, son père meurt, et c'est alors que commencent les difficultés pour cette petite fille, pour son frère Alphonse, encore plus jeune qu'elle, et pour sa mère aussi. Ils déménagent à la localité d'Arevalo et souffrent sans doute des difficultés économiques, au point de vivre certaines privations. El punto de pasar necesidad. Isabelle fut éduquée à Arevalo par des personnages qui signifiaient plus ou moins les trois dimensions fondamentales de la culture. Premièrement, la religion. Isabelle est une femme profondément religieuse. Deuxièmement, la chevalerie, l'art de gouverner conformément à l'esprit de la noblesse. Et troisièmement, la culture. Et la tercera, la cultura. Simple, humble, avec un regard clair et certain. Il semble qu'elle avait de très jolis yeux bleus, toujours le sourire aux lèvres, et d'une amabilité extraordinaire. Elle captivait par son amabilité. Elle parlait toujours d'un ton de voix modéré. Elle ne criait jamais, elle ne haussait jamais le ton, ce qui captivait ses interlocuteurs. Rien que de parler avec elle donnait confiance. Être face à la reine n'inspirait pas la crainte. Non, elle inspirait de la confiance parce qu'elle était très accessible. On pourrait la résumer ainsi, une femme douce, aimable, c'est-à-dire qu'elle avait assimilé en tout et à tout moment les vertus du maître, et le maître c'est le Christ. Et Isabelle está viviendo... En 1461, Isabelle vit à Ségovie, et cette année-là naît la prétendue fille du roi Henri IV. Je dis prétendue parce que les historiens ne parviennent pas à se mettre d'accord pour savoir si elle était vraiment la fille directe du roi, qui est entrée dans l'histoire de l'Espagne avec le triste sobriquet « l'impuissant », ou si elle était en réalité la fille de son favori, c'est-à-dire de ce que nous appellerions aujourd'hui le Premier ministre, qui était alors Don Beltrán de la Cueva. Cette princesse, fille légitime, pour le moins, d'Henri IV,
est entrée dans l'histoire pour cette raison, sous le nom de Juana la Beltraneja. Pasa también a la historia con el sobrenombre de Juana la Beltraneja. En 1468, por estas diferencias entre... En 1468, à cause des divergences pour la succession au trône, le prince Alphonse se soulève contre son frère Enrique et il est désigné roi à Ávila, alors que Enrique IV, le roi légitime, vit encore. Cet événement est appelé la farce d'Ávila, puisqu'en réalité, le roi légitime était Henri IV. Et à partir de ce moment, les divergences se font plus profondes. Alphonse meurt vraisemblablement empoisonné. La mort fut officiellement attribuée à la peste, mais le médecin chargé de certifier le décès ne put reconnaître aucun signe extérieur de cette maladie. À partir de ce moment, tous les regards des factions contraires à ce roi, en ce siècle turbulent et tumultueux, se tournent vers Isabelle. Mais Isabelle n'acceptera jamais de prendre la tête d'une faction, ni de se soulever contre son frère, tant que celui-ci est vivant. Elle avait un sens de la justice qui l'accompagnera jusqu'à la fin de ses jours. Les nobles lui proposaient de se soulever contre lui, mais elle n'hésita pas à dire « Mon frère est le roi, et tant qu'il sera le roi, j'accepte et je respecte le fait qu'il soit roi. » À la mort de son frère, par contre, elle s'empressa de dire « Maintenant, la reine, c'est moi. » Et à partir du moment où elle fut proclamée reine de Castille, et plus tard, en tant qu'épouse de Ferdinand, reine aussi d'Aragon, elle a toujours fait preuve d'un scrupuleux sens du devoir. Le roi veut marier sa sœur et en tirer un avantage. Il veut obtenir des bénéfices pour son règne et pour la Castille. En 1468, pour avoir la paix entre les deux factions, le roi Henri IV accepte, à travers le traité des taureaux de Guisando, de reconnaître Isabelle, sa sœur, comme princesse des Asturies. Il faut dire que la princesse Juana, la fille du roi, avait déjà 6 ans. Et il est alors très significatif que le roi ait accepté de reconnaître et de désigner sa sœur comme princesse des Asturies, c'est-à-dire comme héritière de la couronne de Castille, alors qu'il l'avait très clairement reconnue Juana comme sa fille. Mais pour des raisons politiques et pour rechercher un équilibre entre les différentes factions, le roi, jusqu'alors indolent et inconstant dans ses opinions, accepte de reconnaître Isabelle, sa sœur, comme héritière légitime au-dessus, devant, dirions-nous, sa propre fille. Il y a une condition. Isabelle doit aller vivre à Ocaña et doit être surveillée de près par les hommes du roi. La raison était de limiter sa liberté de mouvement et surtout, ayant atteint un âge plus que suffisant pour se marier, qu'elle ne fît pas de faux pas en ce domaine sans l'autorisation du roi. Bien sûr, il faut noter que dès l'âge de 3 ans, alors que son père Jean II vivait encore et peu avant sa mort, elle avait été promise, comme l'étaient les nobles à l'époque, à Ferdinand le catholique, qui deviendra son mari. Mais cette union mit plus de temps que prévu à se réaliser. Son frère, Henri IV, ne voulait absolument pas que sa sœur fût apparentée à la maison d'Aragon. El príncipe Fernando de Aragón
Le prince Ferdinand d'Aragon traverse l'Espagne en secret, déguisé en muletier, en domestique, pour ne pas être découvert. Et il rencontre Isabelle à Valladolid pour se marier de manière complètement intime et uniquement avec un nombre réduit de témoins. Isabelle aime toute sa famille, mais elle aime particulièrement son mari. C'est une femme amoureuse de Ferdinand. Curieusement, elle le connut grâce à une image du futur roi taillée sur une médaille, et elle fut un peu déçue parce qu'il n'était pas beau. Mais peu à peu, par la suite, elle ressentit un amour profond et elle fut capable de le diffuser. Lorsque son frère, le roi Henri IV, apprend la nouvelle, il se sent trompé et berné par sa sœur et refuse d'accepter ce mariage, niant sa validité avec l'argument du lien sanguin existant entre les conjoints et refusant de reconnaître la bulle présentée par le prince Ferdinand le catholique. Le traité des taureaux de Ghisando établit qu'Isabelle épousera le prince choisi par le roi, mais conformément à la volonté de l'infante et des trois grands du traité, l'archevêque de Séville, le maître de Santiago et le comte de Plasencia. Le roi et ses trois garants ne comptèrent jamais sur la vie d'Isabelle lors du défilé de futurs éventuels époux qui eut lieu avant et après le traité de Ghisando. Isabelle fut très ferme et très responsable sur cet aspect. Elle fit des démarches et des consultations et maintint fermement son droit de décider librement jusqu'à ce qu'elle eût l'occasion de décider son mariage avec Ferdinand sans tenir compte de ceux qui n'étaient pas prêts à respecter ce qui avait été convenu à propos de la libre décision de l'infante. D'autre part, le représentant du pape l'avait déjà dispensé en secret en 1469, in foro conscientiae, de l'obstacle du lien de parenté avec Ferdinand, avant la dispense publique de Sixte IV, à travers la bulle du 1er décembre 1471. La grande nouvelle que signifie Isabelle la catholique est que, pour la première fois, la grande nouveauté que représente Isabelle la catholique est que pour la première fois, une femme va jouer le rôle de reine. Jusqu'alors, on considérait que la femme recevait des droits, oui, mais elle se bornait à les transmettre. C'est ainsi, par exemple, que Fernando III, le saint, devint roi. Sa mère renonça alors tout de suite au trône. Isabelle la catholique, non. Elle veut être reine. Ce qui se passe, c'est qu'elle partage le pouvoir avec son mari, auquel elle remet immédiatement un document, lui reconnaissant dans la pratique les mêmes fonctions qu'elle exerce. Comment fonctionne cette monarchie des rois catholiques ? Bien, il faut dire qu'en 1479, le roi d'Aragon, Jean II, meurt, et son fils Ferdinand, prince de Gérone, et légitime héritier, accède au trône directement et sans dispute. Les rois de Castille et d'Aragon forment, dirions-nous, une double monarchie. Castille restera Castille, Aragon restera Aragon, avec ses propres lois. Il ne s'agit donc pas d'une unification politique, économique ni sociale, puisque les différences continueront d'exister. Mais ce sera une double monarchie. À mon avis, l'historiographie a donné une importance exagérée au rôle de Ferdinand. Ce fut certainement un homme politique de premier ordre. Tout le monde reconnaît que Nicolas Machiavel fut inspiré par Ferdinand le catholique lorsqu'il écrivit Le Prince.
Et les faits de son règne le décrivent comme cet homme politique moderne et manipulateur, donnant la priorité aux fins par-dessus les moyens. Mais il y a aussi une influence de la reine Isabelle, non seulement dans son royaume de Castille, qu'elle gouvernera en tant que reine légitime et reine propriétaire de Castille, comme on disait à l'époque, mais aussi en Aragon, où son influence se laissa sentir, surtout au début de la réforme religieuse du royaume, qui ne sera pas aussi parfaite qu'en Castille et qui mettra bien plus de temps à se réaliser. Igual de perfecta que en Castilla y que tardará desde luego muchísimo más tiempo en realizarse. Se encuentran una monarquía, vamos, se encuentran una España completamente. Il trouve un royaume, disons une Espagne, en complète faillite, une Espagne appauvrie, les chemins pleins de brigands, des pauvres partout. Même Isabelle la catholique, après plusieurs années de règne, doit encore faire face à des besoins angoissants par rapport à son pécule personnel. Les richesses étaient entre les mains de la noblesse. Et plus tard, à Tolède, Isabelle fit le nécessaire pour que ses richesses et ses patrimoines de nobles fussent dévolus à l'État, parce qu'ils appartenaient à l'État. Mais en attendant, voilà ce qu'elle trouva, le trésor complètement vidé. Peu d'années après la fin de son règne, Castille était florissante. C'était une région où les gens vivaient parfaitement bien. Une femme qui, depuis la foi, sans se renier elle-même, sans séparer la vie de la foi de la vie publique, accomplit sa mission publique, celle d'être reine d'Espagne, à partir d'une fidélité aux principes essentiels de ce que nous appelons aujourd'hui la dignité de la personne humaine, les droits de l'homme, capable de voir ce qui nous unit tous dans la diversité, et c'est pour cela qu'elle combat en tant que gouvernante pour l'unité des peuples d'Espagne. Certains ont même dit que son mariage avec Ferdinand d'Aragon était un mariage de raison pour unir les deux royaumes. Mais ce qui l'intéresse surtout, c'est l'unité de l'Espagne, l'Espagne perdue, récupérer la véritable Espagne, l'Espagne enracinée dans la foi. Ce n'est pas une femme à faire des calculs politiques, c'était une femme qui gouvernait à partir de ce sens, de ce que constitue l'unité des peuples qui forment cette nation. C'est une femme qui gouverne desde ese sentido de lo que constituye la unidad de todos los pueblos que integran nuestra nación. Les paysans de Castille furent libérés parce que leurs produits, qui ne valaient rien jusqu'alors, prirent une grande valeur pendant le règne des rois catholiques. Par exemple, les Castillans furent libérés parce que les troupeaux de brebis furent multipliés par 1000. Les brebis, la laine, la viande et le lait furent des produits exportés à toute l'Europe. La laine des brebis espagnoles était très appréciée et les tisseurs anglais se sont servis pendant très longtemps de ces laines précieuses et de bonne qualité. La idea de hacer una guerra de Granada la había lanzado el abuelo de Fernando el año 1407. L'idée d'initier une guerre à Grenade avait été lancée par le grand-père de Ferdinand en 1407. En réalité, Grenade n'était pas un royaume. Nous nous trompons souvent. Grenade avait été créée comme une espèce de réserve dans la monarchie castillane, permettant la pratique de la religion musulmane, mais c'était une partie du royaume de Castille. Après quelques années, en 1288, avec l'aide des Marocains, Grenade avait brisé cette relation de dépendance.
La Castille ne l'accepta jamais, mais les circonstances internes firent qu'aucune mesure efficace ne puisse être prise au XIVe siècle. C'est en 1407 que Ferdinand, par la suite roi d'Aragon, prend la décision. Il faut liquider cette affaire. Il faut liquider l'affaire en récupérant à Grenade la situation précédente. Voilà pourquoi le petit-fils fut appelé Ferdinand. Le nom n'est pas dû au hasard. Il marque la continuité de l'œuvre du grand-père. Et voilà pourquoi la première proposition faite à Aboul al-Hassan, Ali el-Moulay Hassan comme l'appellent les chrétiens, est « récupérons la situation intérieure et il n'y aura pas de problème ». Moulay Hassan répond par une attaque à la ville qui provoque l'entrée en guerre. Et à partir de ce moment-là, Isabelle prend une décision qu'elle impose à son mari, celle d'en finir avec cette guerre par-dessus tout, parce qu'autrement l'Europe va se trouver face au péril turc, sans moyens suffisants pour se défendre. Porque si no, Europa va a encontrarse ante el peligro turco sin medios suficientes. Narrateur 2. Jour et nuit, sans interruption, elle prie face au Seigneur des Sacrements en faveur d'un résultat favorable de cette entreprise. Parmi ces 100 dames figure la reine elle-même, tellement attentive à son tour de veille que dès qu'on lui annonce l'heure qui lui correspond, chaque jour de faire ses prières, elle abandonne tout, même les plus importants de ses devoirs, afin de respecter scrupuleusement son tour de veille. Il y a une guerre, mais la même politique est appliquée à chaque fois. Demander aux villes de se rendre et promettre de respecter par la suite les anciennes conditions de la religion musulmane et les impôts payés sans aucune modification. Mais si elles ne se rendent pas, elles sont conquises. Pratiquement toutes les villes se rendent, sauf Malaga. Malaga doit être prise parce qu'il y a là un groupe de volontaires venus du Maroc qui s'impose à la population et le châtiment est donc plus dur à Malaga. C'est-à-dire que la population doit payer une rançon afin de conserver sa liberté. Mais à la fin de la guerre, Bouabdil reçoit de l'argent à l'appel. Enfin, je ne sais pas ce qu'il a pu faire de cette fortune reçue comme indemnité, qui par la suite lui fut confisquée au Maroc. Mais c'est déjà la deuxième partie de l'histoire, n'est-ce pas? La guerre se termine avec un grand effort de réconciliation, ce qu'il voulait. La guerre termine avec un grand effort de réconciliation, ce qu'ils voulaient. Il y eut des morts qui n'ont pas voulu rester ici après la prise de Malaga et de Grenade, et qui ont préféré partir en Afrique, ce que l'on appelait Allende. Et pour cela, les rois mirent à leur disposition des navires complètement gratuits pour y aller. Certains soldats espagnols, dont les noms même sont connus, volèrent aux morts qu'ils transportaient dans leurs bateaux de l'argent, des bijoux et d'autres affaires. La reine le sut et envoya un officier, dont je connais aussi le nom, mais qui ne me revient pas pour l'instant, pour mener une enquête au royaume de Caraf, dont les rois étaient très amis des rois catholiques. On sut qui avait commis les vols, et les morts furent largement indemnisés de tout ce qui leur avait été volé. Même à Malaga, après la prise de la ville, des morts venus d'Afrique ont pu y commercer. Ils dormaient dans la rue, ce que la reine sut, étant à Medina del Campo. Nous avons une lettre, dont j'ai aussi une reproduction quelque part, qui dit « Je sais qu'il y a des morts qui vont commercer à Malaga » et qui dorment la nuit dans la rue. Je ne veux pas que cela se reproduise. J'ordonne de construire une auberge. Ah, j'ai appris également qu'ils doivent payer pour dormir dans la rue, qu'on leur demande 2,5 marvedis, ce qui faisait beaucoup, 2,50 € pour dormir dans la rue. J'ordonne qu'on ne leur demande rien,
et qu'on construise une auberge pour qu'ils dorment à l'abri pour les jours d'hiver et les jours de pluie. Para los días de invierno y los días de lluvia. Cabe que tener en cuenta que los reyes católicos apoyándose en lo que era la mentalidad. Il faut savoir que les rois catholiques, conformément à la mentalité de l'époque en Europe, pratiquaient une politique que l'on pourrait dénommer suprêmement religieuse. Podríamos llamar máximo religioso. La unidad depende de la fe. Solo la fe. L'unité dépend de la foi. Uniquement la foi peut donner lieu dans un royaume à l'établissement de la liberté. Il n'y a donc pas d'autre solution que de prendre des mesures pour que les religions non chrétiennes disparaissent. En el caso de la expulsión de los judíos, que es el punto más controvertido, es precisamente por le cas de l'expulsion des juifs est l'aspect le plus controversé. C'était justement pour obéir à l'Église. Un historien dit toujours avec humour qu'elle n'a pas encore été déclarée bienheureuse parce qu'elle a obéi au pape. Le pape lui demandait simplement d'expulser les juifs pour atteindre cette unité de l'Espagne, unité catholique, unité de redécouverte de ses propres racines. Elle refusait parce qu'elle était amie des juifs. Parmi ses collaborateurs fidèles, il y avait des juifs. Elle les aimait. Elle aimait les personnes par-dessus toute autre considération. Mais elle dut obéir et faire ce que Rome lui demandait. Mais ce ne fut pas par instinct ni par calcul, mais tout simplement par pure obéissance. No es por su instinto, no es por su visión de cálculo, sino que sencillamente por pura obediencia. Claro, esto hoy resulta. Bien sûr, aujourd'hui cela semble étrange et contradictoire, mais c'est parce que nous vivons une période de laïcisme radical qui ne comprend pas que la religion puisse faire du bien. Les rois catholiques pensent que la religion est le bien absolu. Voilà alors le grand problème qui se pose. Il est vrai que certains chrétiens les méprisent et les maltraitent, mais ceux qui agissent ainsi commettent un péché et ne sont pas de bons chrétiens. Sous le règne d'Isabelle la catholique, des entités furent créées pour tous les aspects de la vie. Par exemple, dans le chapitre de la religion, elle et son mari voulurent faire la réforme du clergé et de l'Église, et ils la firent. Il y avait des prêtres en abondance, mais beaucoup étaient très pauvres. D'autres menaient une mauvaise vie, cohabitant même avec des femmes. D'autres encore jouaient aux cartes à longueur de journée, ou se consacraient à la chasse. Très peu étaient dévoués à la charité et aux missions purement ecclésiastiques. Bien entendu, il y avait aussi des saints. Mais avec l'arrivée au trône d'Isabelle la catholique et de Ferdinand, tout cela changea. Il commence à y avoir des évêques d'un nouveau genre, différents des guerriers qui jusqu'alors partaient à la bataille à cheval et avec leurs propres armes. Non, des évêques d'un nouveau genre, des pasteurs comme Présamo, comme, que sais-je, Pedro Diaz de Toledo, premier évêque de Malaga, comme Diego Ramirez de Villascusa, enfin, des évêques qui se chargeaient vraiment de leur diocèse et qui ne vivaient plus à Rome comme d'autres, mais qui étaient obligés de rester dans leur propre diocèse en prenant soin de leurs ouailles. Et tout cela fut fait grâce à Isabelle la catholique. Elle veillait sur ses évêques en leur écrivant des lettres. L'une d'elles a attiré mon attention lorsque je l'ai lue. Dans celle-ci, la reine écrit une lettre de Grenade à tous les évêques d'Espagne en leur disant de faire très attention à l'église dont ils sont responsables, parce qu'elle a souvent vu sur l'autel des draps sales et pleins de poussière, des tabernacles aussi poussiéreux, et même des lampes éteintes, alors que les lampes de sanctuaire, je répète ces mots, doivent être allumées en permanence pour le Christ notre Seigneur. C'est sous le règne d'Isabelle que les principes de cette réforme vont être proposés. Je ne parle pas de la réforme de Cisneros, qui viendra plus tard, mais il y a déjà des précédents clairs qui sont les fondations de ce qui viendra plus tard. Ainsi, le cardinal Carrillo de Acuña, archevêque de Tolède,
convoque en 1473 un concile à Aranda de Duero. Et le grand cardinal González de Mendoza, d'abord archevêque métropolitain de Séville, ensuite passé au primat de Tolède, convoque un concile déjà pendant sa période sévillane, en 1478. Les principes établis par ces deux conciles et observés progressivement coïncident et ils influencent le clergé, aussi bien le clergé séculier que le clergé régulier. Et derrière ces deux archevêques, on ne peut pas éviter de voir la main de la reine avec son soutien et une attitude décidée dans le sens que l'Église devait être réformée pour le bien de ses ouailles. Les principes à suivre: célébration de synodes périodiques servant à prendre le pouls de la situation de chaque église particulière. Des normes contre le concubinage des clercs sont établies, obligeant à respecter le célibat. Se ordena que los párrocos tienen la obligación. On ordonne aux prêtres des paroisses d'enseigner le catéchisme aux enfants et aux paroissiens. On décide aussi que les clercs doivent posséder un minimum de formation, aussi bien des canons que des saintes écritures et en théologie, afin de remplir leur fonction d'enseignement. On impose aussi une législation particulière sur les mariages et les ordres, ainsi que l'obligation de résidence pour les évêques. Et l'obligation de résidence pour les obispos. Que se vuelva a lo que son las fuentes y la verdad. Le retour aux vraies sources de la foi catholique et des mœurs qui caractérisaient l'état de vie religieux, l'état de vie des prêtres et l'état de vie épiscopale. Avec une élection très précise des évêques, les rois avaient cette possibilité, le droit d'élire des évêques, de proposer des évêques. Ils choisirent sans doute des évêques extraordinaires. Parmi eux, par exemple, Fray Hernando de Talavera et aussi le cardinal Cisneros. Et ce sont les grands bastions sur lesquels s'appuie la réforme de l'Église en Espagne au XVIe siècle. Elle avait une autorité spirituelle. Inutile d'insister sur la très connue anecdote racontée par Fray José de Sigüenza à propos de la première confession de la reine devant Fray Hernando de Talavera. Il était coutume que les princes et les rois de Castille prêtèrent leur confession étant agenouillés aussi bien le confesseur que le pénitent. Lors de cette première confession, Fray Hernando se situa sur le fauteuil de cérémonie. La souveraine lui dit très poliment et en amorçant un léger sourire de compréhension face au manque d'expérience du religieux, « Nous devons être tous deux à genoux ». Le confesseur lui répondit avec mesure. Non, madame, je dois être assis et votre hôtesse doit être à genoux, car ceci est le tribunal de Dieu et je suis son représentant. La reine se tut et accepta comme une sainte. Elle ne sait vivre si ce n'est avec l'Église et par l'Église de laquelle elle a tout reçu. En résumé, tout simplement, cette foi qui l'anime et cette reconnaissance de Dieu qui est le sens de sa vie entière et la lumière qui la guide en tout. La plus grande dévotion de la reine est à la Vierge Marie dans le mystère de l'Annonciation. Le 25 mars de chaque année, elle organisait une fête spéciale, où qu'elle fût, dans son palais ou en voyage partout dans l'Espagne, allant ici ou ailleurs, comme cela était souvent le cas. Elle organisait donc une fête qui, outre la cérémonie religieuse, avec la messe notamment et tous les à côté, comprenait un repas pour 9 femmes pauvres. Tous les ans, elle faisait cela. Les 9 femmes symbolisaient
les 9 mois pendant lesquels la Vierge porta dans son sein l'enfant Dieu. Elle leur donnait à manger, elle servait elle-même à table, elle les habillait et les chaussait, et en plus, elle leur donnait une aumône dans un petit sac de cuir. À chacune, une aumône. Elle faisait la même chose le jeudi saint avec 13 nécessiteux, 12 pour les apôtres et le 13e pour le Christ. Voilà ce qu'elle faisait. Elle mangeait, elle les servait de ses propres mains, elle leur lavait les pieds, elle leur donnait des vêtements et des chaussures ainsi qu'une aumône. Es lo que verdaderamente le importa. Eso es lo que está pensando en Canarias y eso es lo que está pensando en América. Le salut des âmes est la chose qui l'intéresse vraiment. C'est ça ce qu'elle pense gagner et ce qu'elle prévoit pour l'Amérique. Cela explique sa contrariété quand des nouvelles défavorables commencent à venir d'Amérique, à savoir que des Indiens sont morts, qu'il y a eu des attentats. Et c'est alors qu'elle signe cette espèce d'épilogue du testament, et sachant que le testament d'une reine est une loi organique, une loi fondamentale, son importance est énorme. Pour la première fois, les droits naturels et humains sont reconnus à toutes les personnes. Il est vrai que la diffusion de la foi put être présentée par Colomb comme un projet plus facile que ce qui advint en réalité les années suivantes. Colomb pensait que les indigènes, croyant en un Dieu unique, s'ouvriraient au Christ plus facilement qu'ils ne le firent en réalité. Isabelle reprend cette idée et fait sien l'idéal de la diffusion de la foi pour la faire connaître aux Indiens. Mais elle le fait, et c'est peut-être la chose la plus intéressante de sa politique, avec le but de découvrir un monde nouveau. Isabelle avait vécu dans son pays le besoin de réformer l'Église, de lutter contre la décadence morale et la décadence de la vie qui avait caractérisé la Castille du XIVe et du XVe siècle. Et cette idée lui donne une vision du nouveau monde et d'une humanité nouvelle, si on veut, à la suite de la découverte de l'Amérique. Isabelle veille donc à ce que ceux qui s'embarquent pour l'Amérique soient des personnes vertueuses, et elle veut éviter qu'ils apportent en Amérique les vices qui caractérisaient le vieux continent. Los vicios que caracterizaban al viejo continente. Cristóbal Colón había fracasado en Portugal con todas las razones, es decir, su Christophe Colomb avait échoué au Portugal de manière logique, c'est-à-dire son projet ne semblait pas viable. Et en plus, à ce moment-là, le Portugal va faire le tour de l'Afrique et sait déjà que l'Inde est très proche et il ne lui convient pas de détourner des fonds pour d'autres entreprises. Entonces, Colón llega a la Rábida, llega intencionadamente a la Rábida. Alors Colomb arrive à la Rábida. Il arrive exprès à la Rábida parce que ce monastère était chargé par le Vatican de contrôler et de surveiller les actions d'évangélisation en cours en Afrique. Ainsi le prieur utilisait un titre d'évêque, évêque nominal de Rubicon, alors il y va exprès. Et les moines voient là une grande opportunité, parce qu'ils pensent la même chose que pensera Isabelle par la suite. Porque piensan lo mismo que va a pensar después Isabel, ¿no? Entonces lo que deciden es, bueno, primero se tratan. Alors ils décident, premièrement, ils essayent de se mettre d'accord avec le duc de Sidonia, qu'il leur dit. Non, ça c'est un projet qui exige de grandes ressources. Il faut voir ça avec les rois. Alors ils vont voir les rois, et les rois décident de prendre Colomb à leur service. Il lui assigne un salaire, et il est chargé de réaliser des cartes, de préparer les voyages, et tout ça tandis qu'il négocie. Unas funciones de hacer mapas de. Mais dès 1490, la décision est déjà prise. C'est-à-dire, Isabelle impose son critère à son mari. L'intuition féminine d'Isabelle est au-dessus de la capacité rationnelle, et la seule chose à discuter sont les conditions. Ce que Colomb demandait était excessif.
S'il s'était agi d'une petite île encore, le gouvernement, je ne sais quoi, tout cela, mais bien sûr. Mais là, il s'agit du monde entier. Comment voulez-vous donner à une personne privée le monde entier ? Mais Isabelle, jusqu'à la fin, une grande affection envers Colomb. Lorsque Colomb, à la fin de son quatrième voyage, arrive en Espagne et apprend qu'Isabelle est mourante, il n'arrive pas à temps pour la voir. La nouvelle de sa mort le surprend en chemin. Il se rend compte qu'il vient de perdre le grand appui qu'il avait, c'est-à-dire son grand espoir, parce que ni Jeanne ni Philippe Le Beau vont s'inquiéter de ce qui leur semblait un échec, une espèce d'aventure sans grandes ambitions. Una especie de aventura, bueno, pero sin grandes proporciones. En el segundo viaje de Colón ya manda ella. Pour le deuxième voyage de Colón, elle décide d'envoyer des franciscains. Je ne sais pas, 30 ou 40 ans après la découverte, il y a déjà des diocèses en marche et tout de suite apparaissent les universités, les paroisses, les cathédrales, les couvents, les réductions des jésuites au Paraguay, tout ce que nous connaissons. Elle est à l'origine et à la source d'une grande mission, et dans ce sens, je crois que c'est une des grandes missionnaires. En Espagne, ils ne se rendent compte des énormes possibilités que l'Amérique a. En Espagne, personne n'a compris à l'époque les énormes possibilités de l'Amérique. Le Mexique et le Pérou sont des empires. Et ça, c'est autre chose. Ce sont des royaumes qui peuvent être incorporés aux possessions et dans lesquels on peut aborder ce changement décisif de libérer les populations soumises. Cortés prend Tenochtitlan, dit-on, mais pas du tout. Ce sont les Indiens qui occupent Tenochtitlan, guidés par Cortés, mais c'est une révolution intérieure contre un régime insupportable, comme celui qui avait été établi par les Mexicains eux-mêmes. Ceci est le grand problème. C'est pour cela que le Mexique devint plus tard une grande puissance. Por eso México llega a ser después la gran fuerza, ¿no? Ella se volcó. Elle s'est investie absolument dans cette grande œuvre de l'évangélisation, de la foi, sans laquelle elle ne pouvait pas concevoir un progrès, une humanisation, un développement. Elle n'alla pas en Amérique pour la conquérir, mais plutôt pour rendre un service. Lors de son deuxième voyage, Colomb amène quelques esclaves et les vend à Séville. Quand la reine l'apprend, quand quelqu'un le lui dit et qu'elle apprend la nouvelle, elle ordonne de restituer immédiatement ses esclaves, qui étaient venus comme esclaves, en payant elle-même leur prix avec son propre argent. Et elle les libère tous et les envoie de retour en Amérique. À l'époque, l'esclavage était un sujet pas très clair. Même les théologiens de Salamanque pensaient qu'il était possible d'avoir des esclaves. Bartolomé de las Casas eut aussi des esclaves. Une commission fut créée pour étudier l'affaire. Elle mit 5 ans à délibérer, mais elle n'attendit pas son avis. Elle envoya de suite un de ses ministres pour restituer les sommes payées et pour envoyer les esclaves libérés de retour en Amérique. Devolviera los dineros y a los esclavos les devolviera otra vez América con la libertad. Se empieza a tener noticia de lo que. C'est vers 1500 que l'on commence à avoir une idée de ce qu'est l'Amérique. Et en 1504, Isabelle meurt. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas eu le temps de savoir. Elle a eu juste le temps d'établir une doctrine et de demander à ses descendants de la respecter. Parce qu'ainsi, comme il est vrai que nous devons mourir un jour, il est également vrai que nous ne savons pas quand ni où nous mourrons. Nous devons donc vivre prêts, comme si nous devions mourir tout de suite. Sachez donc, tous ceux qui lisez cette lettre, que moi, Isabelle, par la grâce de Dieu, de Castille, de León, de Cordoue, de Corse, de Murcie, de Raën, d'Algésiras et de Gibraltar et des îles Canaries, souffrant mon corps la maladie que Dieu a voulu pour moi, et saine et libre d'esprit, croyant et confessant fermement tout ce que la Sainte Église catholique de Rome dit
croit, confesse et prêche, notamment les sept articles de la divinité et les sept de la très sainte humanité, tels qui figurent dans le credo et symbole des apôtres, à l'exposition de la foi catholique du Grand Concile de Nicée, que la Sainte Mère Église confesse, défend et prêche sans cesse, et les sept sacrements, foi dans laquelle et pour laquelle je suis prête à mourir. Vous me posez des questions à propos de la santé de la reine. Nous passons la journée entière au palais, en attendant avec un visage sombre l'heure dans laquelle la religion et toutes les vertus quitteront ce monde avec son âme. Prions le bon Dieu de nous permettre de la suivre là où elle devra aller bientôt. Elle est tellement au-dessus de toutes les vertus humaines qu'il sera difficile de trouver entre les mortels un autre être pouvant se comparer à elle. Elle avait souvent pris part à des processions de pénitence et lors de l'extrême onction, bien sûr que ses pieds furent oints. Ce que les gens ne savent pas et que moi j'ai trouvé dans un document, c'est qu'il y avait une onction dans le sacrement de l'extrême onction qui était celle faite pour les faiblesses et les péchés de la chair. Elle était faite dans la partie lombaire, aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Et à sa mort, au moment donc de l'extrême onction, cette norme d'oindre les femmes sur le nombril, plus précisément sur la partie lombaire, pour les péchés de la chair, existait encore. Et la reine supplia que cette partie de son corps ne fût pas dévoilée, parce que la maladie dont elle souffrait se trouvait justement là, c'était un cancer de l'utérus. Et elle ne permit pas, enfin, elle pria plutôt de ne pas révéler cette partie de son corps, parce que ce serait inconvenant pour elle et pour les autres. Et ce fut sa seule objection. Enfin, je dis ça comme exemple et pour que tout le monde sache comment était cette femme. Dans son testament, la première chose qu'elle fait est une profession de foi qui est vraiment touchante. Elle dit même qu'elle est prête à mourir. Elle dit « je suis préparée ». Elle emploie le terme castillan « aparareda » d'usage à l'époque. Prête à mourir, et ce serait un honneur de mourir pour la foi. C'était donc presque une martyre par vocation. Au nom de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, trois personnes et une essence divine, Créateur et Gouverneur universel des cieux et de la terre et de toutes les choses visibles et invisibles, et de la glorieuse Vierge Marie, sa Mère, Reine des cieux et Notre-Dame des anges, notre Mère et Défenseuse. Mon intention lors de la découverte des peuples d'Amérique était de diffuser la foi catholique et de faire revenir ces peuples à la culture et à la foi chrétienne. Elle pardonne à tout le monde, donne des instructions à ses fils. Elle parle des Indiens d'Amérique avec tellement de tendresse que cela donne envie de pleurer. Elle conseille à ses fils de prendre soin d'eux, de ne jamais leur causer de mal, au contraire, que ce sont des Espagnols comme les autres, avec tous les droits. Enfin, le testament est une lettre avec 19 paragraphes pour le codicille et 26 pour le testament, tous aussi dignes de mention, d'admiration et de louange. Parce que tout ce qui est dit consiste à vivre et à mourir dans la foi chrétienne. Pour elle, c'était le comble de la perfection et son plus grand souhait. J'y ai souvent pensé. Dans cette chambre, dans ce coin de la place de Medina del Campo où elle passe sa dernière maladie, alors qu'elle se sait mourir et qu'elle dicte son testament, soudain, elle s'interrompt et dit au notaire qui prenait note. Je me suis souvent demandé quelle est la chose pour laquelle je dois être le plus reconnaissante. Le mari que j'ai eu, le meilleur roi d'Espagne, cela dit tout. Et quand Isabelle meurt, Ferdinand écrit personnellement une lettre aux villes en disant « En perdant Isabelle, nous avons perdu ce royaume et moi-même, bien plus de ce que nul ne peut imaginer. » En donde le dice, claro, al perderla, perdí yo y perdieron estos reinos más de lo que nadie puede imaginar.
le cadavre de la reine fut porté de Médina à Grenade. Un voyage qui dura 15 jours. Et il plut sur tout le chemin, jour et nuit. Les 15 jours que dura le voyage, il plut jour et nuit. Une chose terrible. Elle fut enterrée, conformément à ses souhaits, dans le monastère franciscain le plus proche, qui était le monastère de Santa Isabel de Grenade, à l'intérieur de l'Alhambra. Et elle voulut être enterrée en pleine terre, même si on lui marchait dessus. Confiant très convenablement la Vierge aux Vierges saint apôtre évangéliste, que je considère mon défenseur spécial dans ce monde et dont j'espère qu'il le restera au moment de ma mort. Et dans ce terrible jugement et dur examen, encore plus terrible contre les puissants, lors duquel mon âme sera présentée face au trône et à la chair du juge souverain, très juste et très équitable, qui doit nous juger tous comme si nous étions un seul selon nos mérites. Avec son bienheureux et digne frère, l'apôtre Saint Jacques, singulier et excellent père et saint patron de mes royaumes, et très merveilleusement et miséricordieusement donné à eux par notre Seigneur comme gardien et protecteur spécial. Su testamento es solo por él. Son testament est, à lui seul, un élément pour déclarer une personne sainte, parce qu'uniquement à partir de la sainteté, uniquement à partir du dévouement complet de la personne à Dieu, on peut dicter un testament comme celui-ci. Ce n'est pas l'œuvre d'un notaire, de quelqu'un éloigné de la foi, bien au contraire. C'est le témoignage qui résume toute une vie. Unos ajenos a la fe, sino todo lo contrario. Es el testimonio que resume toda una vida.